Bac ist die Mischung zwischen dem deutschen Abitur und dem französischen Baccalauréat. C'est un enseignement approfondi de la langue française en Allemagne et allemande en France. Cet enseignement est dit renforcé car il y a 6 à 6h30 de langue en plus. Das ganze Abi-Bac dauert insgesamt 3 Jahre im Gymnasium oder im Lycée. Très souvent, ces classes sont très soudées, dues au nombre cours qu'ils passent ensemble. Pour ma part, j'aimerais bien aller en Allemagne après le bac parce que ce que j'aimerais faire, c'est moins demander en Allemagne qu'en France. Du coup, il y aura plus de places. So, ich möchte am Ende meines Studiums IT-Ingenieur werden. Also habe ich beschlossen, meinen zweisprachigen Kurs in Karlsruhe am Institut für Technologie fortzusetzen. Aussi, je trouve que les Allemands sont beaucoup plus dans l'entraide en ce qui concerne le travail. Ich finde diese Wahl ziemlich relevant, da ich jetzt seit 15 Jahren im zweisprachigen Kurs bin. Pouvoir pratiquer l'allemand comme une vraie allemande, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis en abi-bac et ce serait vraiment une fierté, une réussite, une bonne conclusion de ces 3 années. Deutsch ist in gewisser Weise ein Teil von mir geworden, was ich im Laufe der Jahre immer mehr schätze. Ensuite, je trouve que ça fait 17 ans que j'habite en France, ça me permet aussi de voir autre chose, de rencontrer de nouvelles personnes et de parler une langue qui m'est totalement différente. Je trouve ça enrichissant. Daher war es für mich einfach, meine Leidenschaft für die Softwareentwicklung und meine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen, zu mischen. Et je trouve que l'allemand est simplement une très belle langue. Also, in Geschichte muss man viel lernen, aber es gibt weniger Hausaufgaben und in Deutsch haben wir mehr Hausaufgaben. Unsere Lehrer sind sehr anspruchsvoll und erwarten von uns, dass wir viel arbeiten. Aber sie ermutigen uns immer und geben uns viele gute Rate, um es zu schaffen. Es bleibt machbar und dafür kriegt man auch ein Doppeldiplom. Même s'il y a plusieurs classes d'abibac, on forme quand même une unité et on s'entraide pour les contrôles. Mais vu qu'on est tous des travailleurs, il y a une certaine concurrence qui s'installe. Alors les voyages et les sorties scolaires, c'est un événement marquant dans la vie de chaque lycéen. Même si ces moments partagés dans des pays germanophones ne sont pas toujours partagés dans la langue allemande. Et ça permet surtout de créer ou de renforcer des liens entre les élèves qui ne sont pas forcément dans la même classe ou qui ne se connaissaient pas auparavant et qui du coup ne pouvaient pas se côtoyer régulièrement.